développe satisfaction pour ce que Allah Ta'ala donne nous, pour ce qui doit être, pour décret, pour décision Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais en même temps, ce qui nous a veillé, c'est que ça, l'état d'esprit là, n'est pas faire nous vivre une paresse, mandi mon passif, fainéant, assisé, sans rien faire, avec croyance qui croise les bras assisés, situation pour régler par un miracle. Non. Il ne faudrait pas que sa première conception qui nous dit satisfaction dans ce qui nous est là, l'événement prétexte pour venir justifier nous une paresse. Parce qu'en même temps, qui nous a une satisfaction dans ce qui nous est là, les imams qui en même temps nous font effort, pour nous faire effort, pour nous améliorer la situation là. Donc, quand on a la cause concernant l'objectif du monde sur la terre, là, un temps humain, l'objectif du monde sur la terre, là, la khalaqna l'insana fi kabad. Très certainement, nous créons du monde pour effort, pour travail, pour bouger. Bouger pour avancer vivant, bouger pour améliorer sa situation, bouger pour mettre un progrès dans la vie, qu'il soit au plan spirituel, matériel, social, économique, individuel, familial, communauté, dans tout ce domaine, nous venons pour bouger, pour travailler. On devons créer de value. Amener plus dans la vie du monde. C'est ça notre objectif. Oh, ce qui nous veut dire, que sa notion, satisfaction dans ce qu'elle a de nous, ne faudrait pas les pousser nous, venir un parasite, fainéant qui a assis, croise des bras, pas fait rien, croire qu'il y a une situation pour améliorer par lui-même. Un exemple. Moi, j'ai un petit business. Qui tu travailles très bien, moi tu vends un magasin, vends vaisselle. Demain l'année 90, alhamdoulilah, mon bien travail, inchallah. Après ça, dernier 10 ans, 15 ans, travail est tombé. Vaisselle, n'est plus du monde, n'est plus assez. Depuis donne cadeau de mariage partout. No gift box. Finalement, business in crash. Alors, nous te dis, au début, travail marché, alhamdoulilah. Travail pas marché, alhamdoulilah. Mon travail, 5000 rubis par jour, alhamdoulilah. L'on dit même Maurice, tu vois, moi, tu as 5 roupies, alhamdoulilah. Ça, c'est satisfaction. Mais en même temps, ça qui nous retient, quand nous revenons dans ta business, une banane, deux bananes, trois bananes, nous nous rendons compte, business là, peut écraser même. Qui va faire? Bon, quand on dit, moi, je vais mettre un travail là, pas mort, c'est non, mais Allah, il écrit comme ça, non, nous vous acceptez. Ça fait attention à sa parole là. Quand tu veux dire, Allah, il écrit comme ça. Parce que ça devient un prétexte idéal pour justifier nous paresse. Hein? Et deuxièmement, pour nous montrer un petit les doigts qu'ils atteignent, ce n'est pas moi qui en dors. Allah qui en dors, tu comprends? Il écrit les affaires là, pas moi. Alors, ce mauvais magasin 11h, à ça me donner midi et demi, il m'a fermé, on fait Zohar, deuxième, il m'a fermé, tu vois, c'est trop vieux, c'est trop vieux, c'est trop vieux aujourd'hui. Après ça, quand arrive les 15, je viens de mota dans ma zine, mota, je viens de gros bill courant, paye mon courant. Arrive le 22, mota gaz, il finit, paye mon gaz. Vous venez de fonds à quatre et tout. Non, ça c'est jamais notion bonheur, ni notion tawakul ça. Nous acceptons les situations comme elles étaient, mais seulement nous travaillons pour améliorer, nous travaillons pour progresser, nous faisons des efforts pour avancer vivant dans tout cet aspect. C'est ça qui faisait clair, nous retirer dans sa cas. Mon travail, une année, deux années, trois années, mon tour au travail avec crasse, mais vous essayez sans la ligne. Moi, c'est vos sens, mon saut dans le domaine vaisselle, mon rentre dans, c'est pas mauvais, snack. Ou soit, mon rentre dans l'autre domaine, van, tilotique, caillerie, outils. Mais mon rentre, c'est mon réinvente moi-même. C'est ça, tawakul. C'est ça, sabre. Sabre, jamais veut dire statu quo. Croise les bras. Divan, situation comme il était, crois qu'il va dire, Allah va me dire, il va régler mon problème. Non. Farishta va me mettre l'île, vous n'avez pas de vaisselle, écoute-moi. Ça, c'est bien clair. C'est que nous qui visons en permanence, fait trop de moyens pour capable adapter la situation, amener un progrès, un plus-value dans mon vie, avec confiance dans Allah. Je trouve que c'est pas marché, je sais, il snack. Le marché, alhamdoulilah. Le pas marché, alhamdoulilah, je suis en troisième année. C'est ça. Tawakkullah, il reste accompagnement. Sa notion bonheur, satisfaction, il reste en moi, dans l'effort, dans l'action, jamais dans la passivité, jamais dans l'inaction. Donc ça, nous disons par exemple, le cas business, pareillement, nous disons dans la maladie, alhamdoulilah, dans la santé, alhamdoulilah. Et dans le cas, 15 jours de cela, un sœur, l'inmo, 46 ans, il y a un problème, les reins.
Et lui vient dire qu'il n'est pas pour faire dialyse, il n'est pas pour faire aucun traitement. Arrive qui arrive. Sous notion, Allah de l'imaraferat, Allah de l'imaradis. Mais c'est moi, voilà, quand on retourne à la base, c'est qu'il ne peut pas dire ce tawakkul et tuili, ce confiance en Allah et tuili, non. C'est que l'islam dit, maintenant, nous devons dire, dans la santé, alhamdoulilah, dans la maladie, alhamdoulilah, mais c'est pas comme mon malade. Mon bon sens, et tout dans l'islam, dit, on passe 6 en place, ou fait des morts, ou sur un traitement. Moi, j'ai la fièvre, il n'y a pas faraz, moi, le bois, al rodo, il prend, ou ça fait avec, il n'y a pas wajib. Mais si moi, j'ai une maladie qui est grave, qui est capable de déboucher dans l'amour, là, tout le monde savant, c'est le monde savant reconnaître, qui dans sa canal, il vient wajib pour suivre un traitement. Et dans 4 circonstances, quand suivre un traitement, il vient wajib, obligatoire. Un, si jamais moi, j'ai une maladie qui est capable de déboucher dans l'amour, il vient obligatoire au moins. En même temps qu'il me fait droit, qu'il me fait confiance totale, absolue, non Allah, je vais tout bon moyen qui vous a dans mon contexte, qu'il soit 10 miel, black seed, get docteur, get clinique, suivre, si vous avez fait traitement, chimiothérapie, surtout avec confiance totale, non Allah, c'est pour là, les besoins là. Pareillement, notre maladie qui va déboucher sur l'amour, deuxième, notre maladie qui va provoquer un handicap. Je vais avoir une infection dans mon lisier, donc je vais faire attention. Ouais. Si vous continuez à faire une église, on ne peut pas venir avec. Parce que Dieu dit non, tu vois qu'elle a l'Allah. Il y a satisfaction dans ce qu'il y a. Après, finalement, quand je tombe avec, il me dit mais l'islam vient provoquer ça. Non. Mon bisin trouve dans ce cas-là, dans un cas, une maladie qui a prouvé un handicap, il y a dit pour moi tout forme de traitement qui est disponible dans mon contexte. Pareillement, une maladie qui est capable de provoquer perte et organe. Mon gars, diabète peut décontrôler tout ban. Indicaté et une rouge, mon continuement d'ici, mon continuement d'ici, la pire, Pepsi par litre, 10 bières, fromage, après moi, j'avais perdu les pieds. Mais j'ai empité, mais j'ai entendu l'un décidé. Non. C'est qu'on fait tous ces fautes sur tout traitement, toute prévention, toute précaution qui faisait, et en même temps, garde confiance totale, absolue, qui guérison, c'est Allah qui donnait. Et quatrième cas, dans le cas, une maladie qui est contagieuse. Là aussi, il y a une wadi pour mourir. Par exemple, il y a une COVID, il y a une pour nous suivre un traitement. Donc, faire comprendre que sa satisfaction dans nous, l'État, il y a accompagné par action en permanence pour améliorer nos situations en même temps avec Tawakkulou Allah. Parce que le résultat de cette action-là, s'il est bon, Alhamdulillah, il n'est pas mort, c'est aussi Alhamdulillah.